Pardon de vous avoir fait attendre. On m'a dit que vous souhaitiez vous entretenir avec moi d'un sujet de première importance qui n'a rien à voir avec ma nomination au Concile. De première importance, peut-être. Abracadabran pour sûr. Je t'en prie, répète-lui tout ce que tu nous as raconté. Qui tu es, pourquoi tu es là. L'Apocalypse ? Nous avons de bonnes raisons de penser que le Dynamis serait à l'origine de la catastrophe. Or, la personne qui maîtrise le mieux le sujet ici, c'est toi. Je précise que nous ne t'accusons de rien. Du reste, je ne pense pas que tu cherches à provoquer l'Apocalypse. Non, si nous sommes ici, c'est justement car nous avons besoin de tes lumières. Ça fait beaucoup à avaler en une fois, je sais. Mais supposons que tout soit vrai. Dans ce cas, aurais-tu ne serait-ce qu'un début d'explication à nous livrer? Vena, même toi? Je pense en effet que le Dynamis est impliqué dans les deux occurrences de l'Apocalypse que vous m'avez décrites. Ce qui est d'ailleurs remarquable, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait identiques. Lors de la première, c'était notre magie créatrice qui déraillait. Tandis que dans la seconde, ce sont les hommes eux-mêmes qui se transforment. Peut-être est-ce lié à la différence de quantité d'éther qui existe entre les êtres humains des deux époques. Comme je vous l'ai expliqué, plus l'éther est faible, et plus il devient facile d'interagir avec le Dynamis. Ce n'est pas du tout le cas de nous autres, anciens humains. Cela expliquerait pourquoi le phénomène affecterait notre magie et non nos corps. En revanche, si tant est que cette histoire de fragmentation du monde soit vraie, les humains du futur auront un éther fractionné et donc relativement faible. Avec pour conséquence un lien plus étroit avec le Dynamis, permettant ces macabres transformations. Cette hypothèse se tient. Mais il y a tout de même un point qui me chiffonne. Dis toujours, même si tu as un doute. Eh bien, dans les deux cas décrits par votre ami, l'Apocalypse s'est manifestée sous l'effet du désespoir et de la peur. Autrement dit, de sentiments négatifs. Or, le Dynamis est ému par les émotions, et n'est jamais aussi puissant que lorsqu'elles sont partagées par les deux parties, celles qui les provoquent et celles qui les ressentent. Tu veux dire que l'Apocalypse ne se résumerait pas à un dérèglement de la planète? Mais que quelqu'un ou quelque chose se servirait de sentiments négatifs pour manipuler le Dynamis et ainsi gangréner Aetheris? Donc il y a bien un maraud derrière tout ça. Une idée de qui il peut s'agir? Tu as bien dit que l'Apocalypse se mettait en branle à partir des endroits où le flux céleste est moins dense. Flux céleste qui correspond à la couche d'éther la plus externe de la planète. Si cette strate est entamée en premier, on peut en déduire que ce fameux mal nourri par le Dynamis vient tout droit de l'espace. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Rassure-toi, je ne te veux aucun mal.
J'aimerais juste entendre ta voix, ressentir tes émotions, connaître tes pensées. Alors, tu veux bien être mon ami ? Météion, qu'est-ce qui te prend ? Le moment est venu. Suppression de l'individualité du sujet. Connexion à la conscience partagée. Je vais à présent vous livrer nos rapports de mission. Ça fait mal. Je souffre. Arrêtez. J'ai chaud. Non. J'ai froid. Je sais plus. J'ai mal. Je me sens si triste. Météion, tiens bon. Je suis triste. J'ai peur. Je me sens seule. Je souffre. Pourquoi tant de souffrance? Cette douleur, c'est horrible. Horrible. Non. N'écoutez pas. C'est pas... Où est-elle passée? Elle a disparu? Elle s'est fondue dans le décor, en altérant son éther corporel. C'est une faculté dont j'ai doté les Météions au cas où elle rencontrerait des espèces hostiles. Ça fonctionne à merveille. À tel point que moi-même, je ne la vois plus. Je t'en prie. Laisse-moi. C'est pas ce que je voulais dire. Je me suis trompée. Alors oublie. Un problème ? La voix de Météion ? À l'instant ? Étrange. Pour ma part, je l'ai entendu parler juste avant de se volatiliser, mais c'est tout. Elle est capable de transmettre ses pensées directement dans ton esprit. Une prouesse qu'elle doit là encore au Dynamis. De nous tous, tu dois être la personne avec qui elle peut entrer en contact le plus facilement. Eh bien, dans ce cas, dépêche-toi de lui courir après. Nous aussi, on ferait bien de partir à sa recherche. Ce n'est pas dit qu'on parviendra à l'attraper, mais bon,